Blandine, mais avec un B. Comme... Blandine. Oui, c'est ça. Je reviens, que je reviens. Oui, alors, si vous voulez, c'est-à-dire que mon banquier est décédé hier soir. Comme disait Jim Morrison, Zizi, Z-N. Dans ma sphère. En fait, Tom, je me suis permis de mettre les boîtes chinoises au four. Oh putain, le con, y a mis les fiches au four. Besoin de changer d'air. Merde. Oh, c'est vrai quoi, je passe 3 heures tous les matins à me passer du gel. Alors elle passe, elle dégèle. Il a, là, elle boude. Hein. Oui, quand elle boude, elle fait semblant d'être décédée. Alors. Il fait 3 enfants dans une hacienda. Le moment X, le moment... Non, Blandine, pas ce X-là. Mais c'est pas possible, t'as les fils qui se touchent. La présente, Patrick. Pierre Louis Dugommier, guide diplômé de haute montagne. On fait quoi, ils sont rigolos, eux. Ben ouais, ils sont rigolos, eux. On suit le guide du guide, alinéa B, ligne 52, on attend que ça passe. Bon courage. Bon, Rosita. Deuxième tiroir à gauche. Non, à gauche, Rosita. Putain, à gauche, Rosita, merde. Ce vide fracassant qui m'a... Allô, la Bretagne. Alors, où il y a un avion qui va atterrir, Francis? Ou alors, il y a Blandine qui essaie de dire quelque chose. Non, je déconne, Francis, il n'y a pas d'avion. Par contre, Blandine, faites attention, vous êtes en bout de piste. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis la femme que tu... Mais vous allez faire quoi? Là, je vais allumer ma cigarette, là. Ah non, mais on n'allume pas une cigarette avec une bougie. Vous allez tuer un marin. Caroline. Tu la connais? T'as pas du feu? Pour quoi faire? Pour faire une tarte tatin. Mais non, pour allumer la bougie. Et ben moi au moins, j'ai sauvé un marin. Alors les amis, retournez.